Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve. On est le je ne sais guère, je ne sais guère. Le jeudi 18 février. Et je vais vous montrer les dernières. C'est mon bébé qui parle, qui rigole. Oui, c'est la joie, ça. Et ouais, ce que j'ai acheté donc sur Shop Disney et sur Amazon. Donc là, pour commencer, ça, là, ce que vous voyez au milieu là, c'est Amazon. C'est une super belle déco comme ça où on peut mettre des gâteaux, ce qu'on veut. Vraiment, tout juste sublime. Regardez-moi ça. C'est vraiment très très joli. Donc j'ai pris ça. Je me suis dit que j'allais vous le montrer comme ça. Ça change un petit peu. Ça, pareil, Amazon. Ça se trouve en magasin. Ça se trouve un peu partout. Elle est trop belle. Donc là, c'est mon étagère Alice. Quoi, Alice? J'en ai d'autres, mais... Et là, celle-ci, c'est de... Ah, c'est Amazon aussi! Oui. Mais c'est là, ça s'appelle les Showcase. Voilà, ça porte ce nom-là et je sais que vous connaissez. Donc, maintenant, je vais vous montrer autre chose. Alors, j'ai oublié de vous dire que j'ai Pop in a Box à vous montrer également. Donc, regardez, vous avez les sacs qui sont ici. Donc, je vais me rapprocher. Ici, j'ai pris ce sac. Regardez comment il est beau. Il est pas magnifique, ce sac. Il est vraiment très, très beau. Franchement, Pop in the Box, ils assurent grave, c'est les Launch Fly. Donc là, le deuxième, regardez. Vous voyez bien, hein, Disney Launch Fly. L'autre, c'était marqué à l'arrière. Et là, c'est notre ami Cruella, dessin dalmatien. Ça vaut à peu près dans les 50 à 70, 80 balles. Hein. Je vous dis approximatif. Donc, hop. Moi, je l'aime trop, hein, franchement. Je l'aime trop. Je suis pas habituée à filmer comme ça, mais bon, c'est pas grave. On va changer un petit peu. Non, j'ai pas le. C'est incroyable. Il n'y a pas le. Non, non. Regardez le Disney Launch Fly, mais après, au niveau du price, non, ça ne veut pas. Je passe ici. Alors là, regardez-moi ça. C'est Bernard et Bianca. Regardez comment il est beau. Il est trop, trop beau. Franchement, j'aime trop. Il est tout juste magnifique. Oh là 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 là, quelle beauté! Faites pas attention, hein, moi vraiment je vous montre comme ça exceptionnellement. Franchement, c'est nous. On se prend guère la tête. Regardez, il est. Ah oh là 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 là, qu'est-ce qu'il est. Oui, je l'aime trop. Oh, quand je vous dis je l'aime trop, je l'aime trop. Oh. Ah oui, j'ai pris ça. Ça, c'est sur Shop Disney. Je les ai prises. Oh, elles sont trop belles, 30 euros. C'est les. Bah, les oreilles, hein, tout simplement, de là-haut. Et ouais, pour être belles, elles sont belles. Hein. Alors moi j'en suis dingue. Moi je suis pas pourtant oreille, hein. Je suis pas du tout. Mais après si je craque sur une ou deux, c'est clair que je dis pas non quoi. Celle-ci elle est à moitié prix. Celle-ci, donc elle est comme ça. Elle valait 34 euros à la base, 90. Celle-là valait 34 et quelques et je l'ai payée 17 euros. Je m'en rappellerai tout le temps, regardez. Elle est trop sympa. Regardez aussi, ça c'est Shop, hein, c'est ça, Shop Disney. J'ai trouvé ce sac. Tout juste. Oh là là, sublime. De Winnie l'ourson. Alors là, ce n'est pas un Launch Fly. Hein, c'est sur Shop Disney, rien à voir avec Pop in a Box. Mais vraiment, il est très très joli. Il s'ouvre comme ça. Pareil ici, hein, il s'ouvre comme ça aussi. Bref, le kiff de Kika, quoi, j'ai envie de dire. Et ces sacs. Oh là 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 là. Lui, quand je l'ai vu sur le site Shop Disney. Je me suis dit, ce n'est guère possible que... Non, parce qu'il y a plein de choses que je voulais que j'ai pas réussi à avoir, c'était en rupture de stock. Celui-là, je l'ai eu à... Ah, bah, il y a le prix. 35,90. Allez, hop, cadeau! Yeah! Là, j'ai pris des verres. Pareil, Shop Disney. Alors, ici, je l'ai... Oh là là, lui, pareil, il n'y est plus. Rupture de, ça part trop vite. Hein. C'est la loi du plus rapide. Gros, c'est ça. C'est fou, hein, comment il faut être à l'affût. Vraiment, c'est dingue. Donc là, c'est ma fille qui se mouche, faites pas attention. Oui, une trompette, une trompette. Finn Rider, là, et derrière, il est comme ça. Non, je sais plus à combien il était. Je me rappelle, j'avais fait une vidéo, j'avais bu avec, hein, j'ai pas pu résister. Mais vraiment, je vous le montre parce que c'est un verre, il est vraiment sublime. Un autre qui est comme ça. Il est très joli aussi. Hein. Donc là, c'est Toy Story et c'est Buzz l'éclair. Vous voyez, l'infini et l'au-delà. Regardez ici, là, derrière, c'est moi, vraiment, c'est mon,
Par contre, ça, c'est mon décor. Celui-là aussi, c'était Shop Disney. Elle valait combien? Ben, elle valait 19, hein, c'est ça. 19,90. Et c'est Mary Poppins avec la petite cuillère, on va dire ça comme ça, la petite touillette, hein. Regardez, c'est joli, franchement. Là, ça, c'est trop mimi. C'est trop mimi. Donc, ça, c'est le vaisseau de. Comment on appelle ça? Ah, oh, bah, c'est pas possible, ça, de l'alien de qui? De Toy Story? Oh, Kika, tu n'y arrives pas, voyons. Et c'est vraiment. Combien ça? J'ai dû l'avoir à 13 euros, hein, parce que je crois que j'ai retiré l'étiquette, je crois. Non, même pas. Ouais, c'est ça. 13 euros, les amis. C'est joli, hein? On fait un petit truc dedans, on se boit ce qu'on veut. De la fraîcheur, une limonade, Diablo Grenadine. Allez hop, je fais rêver. Nous avons quoi après? Non, parce que attendez, là, ça, c'est mon craquage, c'est le best. Ah ouais, tasse et soucoupe. Donc là, vous voyez Tigrou, Mister Bourriquet, Porcinet, Winnie l'ourson. Et j'ouvre, et regardez-moi ça. Je l'ai gardé, hein, je l'ai reçu il y a plus d'une semaine, je crois, mais j'ai fait exprès de le garder pour vous le montrer. Et je me suis dit, je vais pas me mettre en FaceTime. Regardez-moi ça. Mais qu'est-ce que c'est beau, mais qu'est-ce que c'est beau. Oh là 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 là. Hop là, hop là. Vous avez vu ça, franchement? Ah non, 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 c'est d'une telle beauté. C'est assez petit, hein. C'est pas quelque chose de grand, hein. C'est histoire de se boire un thé ou alors un petit café ou cappuccino, mais vraiment pas grand, quoi, au niveau volume, hein, au niveau ML, tout simplement. Et dedans, on a bah, la soucoupe qui est comme ceci. Je suis trop dosée. Oh là là, comment je suis contente! Regardez à qui. Il y a Madame Kangourou. Winnie qui est là. C'est trop mignon, Bourriquet. Tigrou. Heureusement, ceux-là, j'ai réussi à les avoir. Maintenant, il y a eu les pins là qui vont avec le serre-tête que je vous ai montré tout à l'heure. Ceux-là, pareil, je les ai eu à moitié prix. Hein, c'est la série 11 sur 12. Et bah, la moitié de 16, hein, donc je les ai payés 8 balles. Comme ça. Après ça, c'est le pins clé Winnie l'ourson. Moi, j'aime trop ces choses-là. Ah, là, c'est des pins. D'ailleurs, les pins Disney sont là. Regardez ma déco que j'ai faite dans le dernier haul. Que je sais pas si vous l'aurez vu quand vous verrez celle-ci. Si, normalement, avant celle-ci, vous le verrez. En tout cas, elle est là et ah, je suis dingue. Hein. Franchement. C'est tout juste magnifique, j'en suis trop contente. Là, c'est dans ma chambre. Hein. Et ça, je les ai mis dans ma chambre. C'est waouh, waouh, waouh. Et là, justement, mes pins, là, c'est là-haut. Carl et sa femme. C'est vraiment très joli. Donc, il a combien celui-là? 14 euros. Après, une pépite. Waouh, waouh, waouh. Alors, lui, il est lourd. Il est grand. C'est le 5e sur 10. C'est des éditions limitées. C'est le château 2, que je ne dise pas de bêtises. J'ai oublié, oui, c'est ça, de réponse. Et en fait, il s'ouvre. Et là, on le voit comme ça. Et vraiment, il s'ouvre. Donc, il a combien? Attendez, je vais vous le dire. Il est à 25 euros. Mais sincèrement, il en vaut le coup. Alors, ma fille va l'ouvrir pendant que je vous montre autre chose. Regardez, vous devez vous dire, mais qu'est-ce que c'est, Kika? On comprend pas trop. Eh bien, c'est des pins mystères. Parce que vous voyez, il y a marqué pins mystères. J'en ai acheté 4. Et là, pareil, 4. Donc là, j'en ai déjà eu un qui est lui. Les 7 nains. Et après, il y a Cendrillon, le livre de la jungle, Peter Pan. Il y en a 2 autres. Donc là, on va voir. Les 3 autres, ils sont cachés. Il y en a 4. Et là. Et là, il y en a 3. D'accord. Et là, apparemment, c'est. J'ai compté. Ok, donc apparemment c'est pas. D'accord, ok. Donc là j'en ai pris 3 et pas 4. Vraiment, c'est. Ouais, c'est. J'en ai ouvert un déjà aussi, je dois l'avouer. De celui-là, je vous ai dit, j'ai su que c'était celui-là. Ils sont magnifiques. Hein. Quand je dis ils sont beaux, ah oui, ils sont beaux. Et l'unité, ça vaut combien? 9, 9, 9, je crois. Allez, montre-toi, ouais, 9 euros. Et ceux-là? Pareil, je pense. Non, même pas. Si, 9 euros. Et celui-là, qu'est-ce que je vous disais quand je vous disais qu'il s'ouvre? Bah oui, il s'ouvre. Là, il s'ouvre tranquille. Regardez-moi ça. Et hop là. Et on retombe sur le château, mais un peu plus. Attends. C'est ça, exactement. C'est dedans, quoi. Ah ouais. Kika. C'est la baume au cœur direct, là. Ensuite, là, je repasse chez Amazon. Pour vous montrer, j'ai trouvé le numéro 2.
Ou c'est le 1? Alors attendez que je ne dise pas de bêtises. Ça, c'est le. C'est Oui, c'est le numéro 1 de Sailor Moon parce que j'ai le 2 que je vous ai montré aussi bah, dans une vidéo précédente. Je pense que je dis pas de bêtises là parce qu'il est. Oui, il est une certaine heure hein, quand même. Mon bébé est réveillé et comme c'est quasi les vacances, ben c'est la teuf. Alors, ici, c'est le guide de la chirurgie, par contre, de l'obésité. Donc, en fait, je l'ai pris parce que, bah, en fait, je suis en obésité morbide et du coup, je vais peut-être en entente avec les médecins, voilà, hein, c'est sans discussion, je vais peut-être faire une sleeve. Eh ben, Kika, du coup, elle a peur. Ben oui. Donc du coup, Kika s'est dit, tiens, si je trouve un livre sur... Bah, c'est ça, la chirurgie de l'obésité, quoi. Et voilà, je vois ça avec les médecins, parce que vraiment, je suis en obésité morbide. Donc, du coup, bah, les médecins m'ont orienté sur ce chemin-là. Tout simplement, voilà. Donc, je vais lire ça, tranquillou. On fait les choses tranquillement, mais c'est vrai que... C'est pas facile, c'est pas facile quand on nous dit obésité morbide, c'est vrai que là, on s'inquiète un petit peu. Mais il faut rester quand même positif, on se dit que, bon, Inch'Allah, ça va bien se passer, qu'on va perdre du poids, et qu'on espère que ça passera bien, en fait, tout simplement. Donc là, c'est fini, ça, par contre, je sais même pas combien je les ai payés, ah, 16 euros, et c'est leur moon, je crois que j'ai dû le payer dans les 13 ou quelque chose comme ça, je sais même pas si, 14,90. Ici... Je vous montre parce que j'ai trouvé ça super sympa. Je l'ai fait dans un magasin là, ça n'a rien à voir. Je vous le montre juste comme ça en bonus. Le petit poucet à 23 euros, mais j'ai trouvé tellement bien. Je ne l'ai même pas encore défait. Hein. C'est un espèce de livre comme ça, exactement. Ça fait livre. Là, le bureau, ça y est, il est débarrassé. Hein. C'est, Regardez, on ne le sent plus. Ouais, c'est pas comme tout à l'heure où on avait mal à la tête. Voilà, le petit poucet, ça fait vraiment le livre quoi. Et le jeu. Donc, utilisez votre sens du toucher et votre mémoire pour retrouver votre chemin. Compte inclus, c'est cool. Voilà, 6 ans et plus, 2-5 joueurs et ça fait près de 20 minutes la partie. Vraiment hâte, franchement. Ça, c'était un magasin à côté de chez moi. Vous savez, dans les boutiques, pas les centres commerciaux, mais les petites boutiques comme ça. Et ben, franchement, j'étais super contente et c'est la première fois que j'y rentrais. Ben, j'étais vraiment plutôt satisfaite. J'ai même trouvé un double comme ça parce que mes enfants aiment beaucoup. Et celui-là, il valait combien d'ailleurs, ce double? Tic-tic-tic, 10 euros. Et là, c'est double gourmandise. Et après, j'ai pris un jeu comme ça à 13 euros. Mais celui-là, je n'ai pas payé 13 euros. Il m'a fait à moitié prix ou je ne sais plus. Hein. Il y avait un moment où bah, c'est les soldes hein, quand j'ai été le prendre. Donc, je ne sais plus comment ils m'ont fait passer ça. Bref, c'est un jeu de Smiley Games. Et il est comme ça. Voilà, je vais vous le mettre à l'endroit parce qu'à l'envers, je ne vois pas trop le truc. Et bah, il y a plusieurs façons. Elle rigole, ma fille. Il y a plusieurs façons de jouer. Donc, c'est de 5 à 99 ans, de 2 à 10 joueurs, à 5 jeux différents avec 48 cartes et 2 dés spéciaux. Voilà, les amis. Donc, hop, on va se laisser avec ça. J'ai essayé vraiment de vous montrer au mieux. J'espère que ça vous aura plu. C'est vraiment une vidéo assez rapide, mais histoire de partager quand même. Parce que je trouve ça tellement beau que même moi, au niveau souvenir, j'ai besoin de l'avoir dans mes vidéos. Donc, on a fini. Je fais très très gros bisous. J'espère ne rien avoir oublié parce que sincèrement, même les launch flags, j'ai fait du mieux possible pour les. Vu que j'avais tout mis comme ça sur le bureau, voilà. Vraiment entre nous, cool. Et en espérant que ça vous a plu, n'hésitez pas à liker. Je vous fais de très très gros bisous. La cloche de notification pour d'autres vidéos. Mouah, bye bye tout le monde et prenez soin de vous. Vraiment, encore une fois, prenez soin de vous. La santé, c'est le plus important. Bye bye tout le monde. Ciao. Et regardez-moi ça. Waouh, on a eu de la chance, j'en ai pris 3, donc je vais essayer de retenter ma chance s'il en reste. Vu que c'est des mystères, hein, on ne sait pas, on peut avoir des doublons. Dieu merci, on n'en a pas eu. Là, on a eu les Indestructibles, je ne sais plus comment ils s'appellent, parce que moi, je suis pas fan de ce dessin animé. Là, on a eu Bunny et Ducky. Alors, vous avez compris les... Bah, j'ai deux flûtes Toy Story, pareil là, Toy Story Buzz d'éclair avec et Jessie. Donc, du coup, franchement, ça fait super plaisir, c'est super beau. Donc, ces trois-là viennent de cette boîte-là. 9 euros. Là, toujours, on est sur 9 euros. Pareil, on a eu une chance de dingue. On a même eu un mystère, c'est-à-dire un des deux-là, parce que celui-ci n'était pas dans ce que vous voyez là, les quatre visibles. Et. Peter Pan, Bambi, qui était le mystère, Cendrillon et bien sûr
Eh ben, Je sais. oui, il est 7 nains. Je suis trop contente. Donc là, vous m'avez perdu un petit peu. Et ceux-là, ouais, ils sont magnifiques. Lui, je suis pas vraiment, c'est pas, je pourrais même pas même dire les noms parce que c'est pas trop mon truc. Mais bon, tant mieux, c'est pas un double. Mais eux, là, les Toy Story, mais bah. J'aurais kiffé avoir lui. Donc je vais essayer de tenter ma chance. Je vais essayer d'en racheter si j'en trouve là. Et même lui, hein, si je peux en racheter encore un peu. Mais bon, voilà. Déjà, vraiment, je suis super contente.